fiscale. Une chose est certaine, le ballon du Mondial 2002 présente des performances tout à fait inédites. Une vraie petite révolution technologique. Les explications de Patrick Hester. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais ce que vous avez sous les yeux, c'est le ballon de la Coupe du Monde de football, en gros, mais alors en très très gros plan. Une image de la structure de sa peau, réalisée au moyen d'un microscope électronique. Démonstration. Le ballon officiel 2002, fourni par Adidas, est composé de plusieurs couches de polymère et de tricots de textile enrobant une sphère de latex. Cet assemblage permet de transmettre à la balle de façon idéale toute la puissance du coup de pied du joueur. Le traditionnel ballon en cuir appartient désormais à la préhistoire du football. Ici, le plastique dans lequel les pièces sont découpées apporte une précision sans précédent. La version 2002, dont la forme est contrôlée au dixième de millimètre, est 25% plus précise que celle utilisée en France en 1998, à la grande stupeur de la star de Manchester United, David Beckham. Je pense que c'est le ballon le plus au point que j'ai jamais frappé. Je l'ai utilisé plusieurs fois. On peut obtenir une telle puissance, une telle précision de tir, c'est véritablement exceptionnel. Si par exemple vous demandez à un pied robot de shooter, vous constaterez qu'il rebondit toujours de la même façon. Une authentique révolution pour les attaquants qui peuvent lui donner de l'effet, obtenant des trajectoires inédites. Enfin, si le pied qu'il frappe est assez puissant, ce ballon peut voler jusqu'à 130 km/h, c'est-à-dire 13 de mieux que celui de 1998.